On va chercher à distinguer le gaz qui se dégage des bulles, d'autour des bulles. Pour cela, on va mettre du vinaigre d'alcool dans une tulipe à eau qui va être reliée avec une fiole. Et on va mettre dans la fiole, on va incorporer du bicarbonate de soude. Ainsi, il y aura une réaction. Un gaz, pardon, va se dégager. Alors pour cela, on va d'abord mettre de l'eau en excès. Mon tube à essai, pardon. Du coup, on met de l'eau. Après, on rentre l'eau dans le cristallisoire. Il faut éviter de laisser de rentrer de l'air dedans pour que l'eau ne sorte pas du tube à essai. Ensuite, on va ouvrir le robinet et nous verrons une réaction entre le bicarbonate de soude et le vinaigre. Ainsi, on peut voir un gaz qui se dégage de cette fiole. Voilà. Et pour identifier ce gaz, nous allons utiliser de l'eau de chaux. En fait, l'eau de chaux, elle sert à identifier si le gaz est un CO2 ou non. Et en général, comme on peut le voir dans ce tube à essai, pardon, comme on peut le voir, il y a un précipité blanc qui apparaît. Et en général, quand un précipité blanc apparaît dans de l'eau de chaux mélangée au gaz, cela signifie que le gaz présent dans ce tube à essai est du CO2. Voilà, donc on a identifié le gaz qui est présent dans notre lampe à essai, lampe à lave.